départ de notre mouillage, ici. Alors, il y a le 6 à 7 de devant maxi. La destination, alors nous, nous sommes partis de là. Là, à la mer libre, on va en haut. Et là, ce fameux chenal entre Castos et Calamos. Et le vent vient comme ça. On le voit nettement devant, là. Il y a un bon vent dans le chenal, entre les deux îles. Et au large, là-bas, là où l'eau est plus libre, ben, il y a beaucoup moins de vent. Le vent est accéléré. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on va remonter dans le chenal, tirer des bords, certes, mais là où il y a du vent. Et on le voit, hein, on marche bien. Là, on est à 4, 2, 6. Très près du vent. Tabasco est parfaitement équilibré. Et comme ça, en 3-4 bords, on va arriver à faire quelque chose de super. Les voiliers sont tout portants, ils descendent de tout. Et nous, on monte dans un confort absolu. Il y a 12, 11 à 13 nœuds de vent, en moyenne 12. On fait un cap idéal sur Itaque en face. Bon, devant ce rocher noir là, enfin, cette île noire, je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est pas Itaque. Itaque est derrière. Et là, c'est que du bonheur. On marche à 5 nœuds en moyenne. Se régale et nous aussi. ...14h30 le vent se lève très et là il faut se préparer à y aller parce que un quart d'heure après il va y en avoir. Il est régulier à 13 nœuds là, donc c'est l'idéal pour aller à 5 nœuds 5 nœuds 5. Voilà, bien. On accélère, bien, bien. Bien. Allez. Un riz dans la grande voile aussi parce que ça forcit. On est à 20 nœuds là, pas plus, mais ça souffle. Et on va passer sous cette île et ça va sûrement encore accélérer sous l'île. On est sous le vent de cette petite île là et nous on va en face. On va déborder ça et hop.
pas plus ouvrir deux tours de côté. Sinon, voilà, petit passage devant la crique, la plage. J'allais oublier de visiter, même par 22 devant. On n'est jamais qu'à 6-6, ça va. Ah, petit peu de calme avant la retempête. Pour notre île, elle est dans le sillage. Toujours un beau petit zèbre. Et mettez un nœud là, par dans la rafale. Et devant nous, Itac. Recherche du mouillage qui va bien. Alors normalement on va aller à Vati, mais Vati sur Itac, parce qu'il y a deux Vati. On en a fait un sur Meganisi, et là c'est le Vati d'Itac. Alors là on rentre dans l'Ormos pour aller à Porto Vati. Bienvenue à Itac. Là, on est dans les rafales de l'effet catabatique de la colline, parce que derrière, il y avait plus de vent là-bas. Alors nous, on a enroulé notre génois, on a relâché notre riz, et puis d'un coup, ici, ben, après, on l'a vu venir, hein, ça s'est mis à souffler fort. Donc là, on est sous grand voile seul, grand voile haute. On fait un bon cap, là, enfin, à 50 degrés, tout à l'heure, on faisait beaucoup moins, parce que le vent varie, et... Sous grand voile seul, face au vent, on marche bien. Tout à l'heure, on marchait à 5 nœuds. On va accélérer là. Voilà. Sous grand voile seul. Alors pourquoi ? Ben, c'est un exercice de style, on va dire. Simplement un exercice de style, comme ça. On arrive, on est à 1 mille du mouillage. Et en plus, nous ne sommes pas pressés. Il est 18h14. 14 et 18, on a mis près de 4 heures pour monter ici. Et dans un quart d'heure, ça fera 4 heures dans le temps d'arrivée et tout ça. Et Itac promet de belles choses. Ah, une belle plage. On se tire la bourre avec le kata.
Et voilà, Vati. Nous y voilà. C'est bien, bien joli. Il y a une île au milieu, là. Et nous, on va mouiller par là. C'est une zone qui est bien abritée des... Ouais, de ce vent un peu tempétueux. Enfin, tempétueux, c'est... Non, en rafale. Rafaleux. Donc, c'est assez profond par ici, mais là-bas devant, ça devrait le faire. Voilà Vati sur l'île d'Itac au petit matin. Le vent s'est calmé. On est bien.